reprise de 3 minutes. Au coin rouge, il est âgé de 27 ans. Il mesure 1m66. Chez les amateurs, il a livré 46 rencontres avant de passer professionnel le 10 juillet 2016. Chez les professionnels, il a boxé 55 fois. Et 56 fois ce soir, il a rencontré Thierry, le petit breton, le coup dur. Il est entraîné par, et écoutez bien son palmarès, Ramaz Pagliani. Ramaz Pagliani a été champion du monde, champion d'Europe et médaille de bronze aux Olympiques il y a quelques années. Il nous vient de Corée, le géorgien, Lirel Kamilashi. C'est son premier combat professionnel ce soir, ici chez lui, à Nantes. Il est âgé de 24 ans, il mesure 1m78. Chez les amateurs, il a livré 69 rencontres. Vice-champion de France 2022 face à monsieur Lounès Amraoui, médaille d'or aux Jeux du Pacifique en 2024. Il est entraîné par son mentor de toujours et son père, monsieur Éric Dauphin, et monsieur Jules Iboulé, du Nantes Plein Contact, l'enfant de Polynésie, l'enfant de Farah. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Boxing Mac TV pour ce dernier combat en mode, on va dire, combat professionnel entre Dauphin Tatois et Michael, un géorgien, un boxeur géorgien. Voilà, c'est la première reprise et premier combat pro de, pour ce jeune Dauphin. Dauphin qui commence à effectuer son premier combat en boxe professionnelle. Ça va rester dans l'histoire du club. Lui qui est venu en amateur depuis quelques années, il a fait que belles, on va dire, prestations sportives et maintenant il passe en mode, dans le mode du professionnel. Bien, il est bien sans appui, Tatois, Dauphin. Voilà, il avait toujours cette attitude de sereine sur le ring. Voilà, pour un premier combat pro, il a l'air très très serein, Dauphin, en face de Mikhail. Il a plus d'allonge par rapport au boxeur géorgien. Propre jusqu'à maintenant, bras avant, bras arrière. Belle préparation d'attaque. Gardien hermétique, il protège, se protège avec ses avant-bras. Ça se voit, et pas les gants, pas avec les gants. Généralement, Dauphin boxe les bras, la garde basse. Mais là, il a compris que ça ne pardonne pas beaucoup en mode dans la boxe professionnelle, on va dire. Jusqu'à maintenant, le combat est bien géré. Il cherche à bien s'imposer. Attention, les coups larges du boxeur géorgien. Espérons que... Jusqu'à maintenant, c'est propre pour un début de boxeur, boxeur professionnel. Très très bien, l'attitude, bien sur les appuis, des coups rapides. Il cherche l'efficacité chaque fois, sur chaque coup. Beau coup d'œil, j'ai l'impression qu'il cherche aussi le coup dur, mais il doit faire attention du contre du boxeur géorgien qui a changé de temps. Il change carrément de garde, il se met en gaucher parfois, la gauche... Ah, c'est pas bon pour lui puisque il est plutôt à l'aise, Dauphin, quand le géorgien change de position. Allez,
pour 4 rounds, 4 reprises, ce premier combat pro. Il cherche, il regarde, il observe. On est plutôt à l'aise jusqu'à maintenant. Mais il faut faire attention, surtout le premier round où les boxeurs invités boxent sous pour le tout. Attention, attention. Dans quelques instants, on va faire de la première reprise qui est menée proprement par le boxeur de Nantes, plein contact. Voilà, première reprise. Deuxième reprise. Toujours Dauphin qui se met au centre pour s'imposer et montrer qu'il est chez lui, sur son terrain. Bon, la longe un petit peu, ça aide largement pour le boxeur Dauphin Tatois. Le boxeur de Nantes, plein contact, le Tahitien. Il doit reprendre son efficacité. Dauphin Tatois, il doit la reprendre, il faut qu'il reprend son effet cassé des coups, qu'il baisse pas de régime. Attention au contre. Le boxeur georgien reste toujours dangereux. Avec ses crochets larges, tête baissée. Allez, continuez avec ton bras avant. Voilà, belle préparation d'attaque avec des feintes. Il prépare, il feinte. Voilà. Toi reste toujours même dynamique, bras avant, il y a des accélérations, mais il se méfie toujours des crochets larges du boxeur georgien. Voilà, toujours des crochets larges, mais là, il a bien esquivé. Mais il ne doit pas s'emballer, il faut qu'il reste serein parce que le georgien est mis dans une garde hermétique. Après, il le surprend par ses crochets larges, avec ses crochets larges. Voilà, heureusement, Tatois il est vigilant. Après chaque coup, il se remet bien en garde. Ce qui est plutôt bon signe pour lui, parce que voilà, c'est important de donner des coups, mais c'est important aussi de les éviter, et éviter surtout des contres avec des crochets larges. Plusieurs fois, le Georgien change de position. Il essaie de perturber le... Attention, vous voyez. Voilà, et ça, voilà, c'est la fin de la deuxième reprise. Et c'est parti pour la troisième reprise, toujours avec Dauphin qui domine jusqu'à maintenant ses rounds. Avec chaque fois, il fait la différence au début et à la fin de chaque round. Maintenant, il faut qu'il en montre un peu plus de son expérience, de son savoir-faire, qui fait plaisir aussi au public, mais tout en restant vigilant des contres du boxeur géorgien. En tout cas, pour l'instant, Dauphin, il montre clairement qu'il a une bonne attitude de boxeur professionnel. Il promet par la suite. Garde très hermétique, que d'habitude ne la fait pas souvent. Il boxe souvent avec une boxe garde basse, mais là, il a montré un petit peu aussi qu'il cherche à s'adapter aussi à la boxe en face, au boxeur en face. Là, il bloque beaucoup, là, c'est un peu... Il doit éviter de trop bloquer parce que le boxeur georgien, il montre encore de la fraîcheur musculaire. Il ne faut pas qu'il bloque beaucoup. Il reprend sa boxe, ce qu'il a fait, qu'il reprend tranquillement sa boxe.
Bravo, bravo. Dauphin qui cherche vraiment à faire mal, mais il veut endurcir le combat. Attention, une belle esquive avec rotation de la tête, on va dire là. Là, carrément, il cherche à faire mal, mais il est solide le Georgien en face. Allez. Attention au contre. Accélération de Dauphin. Belle accélération. Très bien. Sur chaque coup, il voulait faire mal. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça bouffe de l'énergie. Maintenant, il faut que... Dauphin qui fait du spectacle. L'arbitre lui interdit d'allonger son bras arrière. En tout cas, le public il est ravi pour ce combat de Tatoua en face de Mikiel, boxeur georgien, qui fait le travail, qui n'est pas venu que pour... Il est venu pour boxer, il le fait. Bah, il a l'air fatigué, le boxeur georgien. Il a l'air très fatigué, je ne sais pas ce qu'il demande à son coach là. Le boxeur georgien est très fatigué. Il monte des signes de fatigue. Il va arrêter le combat finalement. Le boxeur georgien arrête le combat. Le coach fait signe qu'il veut arrêter le combat. Malheureusement, pour le public de Nantes, ils ne vont pas voir le dernier round. Malheureusement, on ne fait pas le quatrième round, malheureusement. Malheureusement, il arrête le combat. Dommage, dommage pour, le public que Mickey ne termine pas le quatrième round. Et donc déclaré vainqueur pour son premier combat chez les professionnels par abandon à l'entame de la quatrième reprise, le Tahitien de Alors, Jules,
Félicitations pour le gala, très beau gala. Qu'est-ce que je voulais dire? Un mot sur le gala et sur la première victoire de Dauphin Datois. Oui, c'est bien, je tenais à le féliciter. Je tenais à le féliciter, il a été présent. Bonne première, c'est bien. C'est dommage que le gars il a arrêté avant, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Ce que j'ai dit dommage qu'il n'a pas pu faire le quatrième round, mais je pense qu'il était au bout, hein. Il a fait tous les rounds. Oui, je pense qu'il a pris trop de coups et ça fait mal, je crois, au corps et tout. Il n'a pas pu revenir derrière, je pense. Voilà, ça va. Reste avec nous. Champion, félicitations pour cette belle victoire, première victoire. Qu'est-ce que tu penses de ce combat? Non, ben après, pour une première, ben. Ça change pas vraiment, hein. Voilà, on a l'expérience en amateur. Ensuite, voilà, c'est juste la différence de round. Mais sinon, par rapport à mon impression, ben, ça fait plaisir et c'est une grande joie quand même de commencer une nouvelle aventure dans les rangs professionnels. Et voilà, ben, force pour la suite et voilà. Est-ce que tu appréhendais pour ce combat ou pas? Non, pas vraiment, ça va. Après, je pense que c'est l'expérience en amateur qui fait en sorte que la sensation, on la connaît, la sensation. Le rythme, on le connaît. Et malgré que c'est un autre niveau par rapport au rythme, mais le rythme, on le connaît. Et voilà, on a juste à continuer dans cette lancée. Et... Cette fois-ci, tu avais l'habitude de boxer garde basse. Là, tu avais une garde très hermétique. Comment ça se fait? C'est ça, ben après voilà, ben on se dirige dans le rang pro. Et voilà, il faut essayer de moins se ramasser de coups et lever la garde parce que voilà, le niveau des tailles des gants, ben ça change et ça a beaucoup de différence aussi par rapport aux amateurs. Donc, c'est ce que j'ai dit dans le commentaire, que vous avez changé de garde. À un moment donné, vous avez changé carrément de rythme, vous voulez mettre KO. Vous voulez faire mal, c'est ça? On essaie ouais, d'appliquer les gammes, genre il faut commencer à taper un peu plus dur et. Essayer de garder cette attitude-là de vouloir toujours taper dur parce que en pro, ben voilà, ben c'est les coups, ils font mal, ils font plus mal. Et voilà, ben on essaie de garder ce rythme, le fait de taper dur. Prochain combat du coup. Ben, prochain combat, ben on verra bien. Ben normalement on nous avait proposé là le 15. Mais bon, on voulait d'abord voir par rapport à cette soirée comment ça allait se passer. Si tout allait bien, ben pour nous, ben on fonce et après on verra bien par la suite. Un mot pour ton public? Non, voilà. Un remerciement en dire général. Un grand marourou à tout le public qui est venu ce soir et surtout à toute la communauté polynésienne qui sont venus me soutenir. Voilà, ils viennent un peu de toute la France un peu. Ils ont fait le chemin juste pour venir me soutenir et un grand merci. Voilà. En tout cas, on est ravis de filmer ton premier combat professionnel. Et j'espère avant de continuer à te suivre dans votre carrière. Merci champion et bonne continuation. Félicitations. Merci à...